chose à manger? Du manger brun? Du manger rouge? Oui, oui, oui! Direct des trappes. Moi. Tintin. J'haïs le ballonnet. Oh, ouais. Mais les trappes. Tintin. Une main rapide. Mort de rang. Traite du coup. Comme pour mon père. Puis le mien. Puis ma mère. La mienne et tout. Je pense bien. Malgré que c'était peut-être du mort au rang. Je me rappelle plus. Notre destin. Ben, c'est vous, par contre. Il y a moyen de devenir vieux. C'est venir gros comme un chien. Oh! Un petit peu humide, par exemple. Fais noir. Juste du gris mangé. Pas de dodo chaud, des couchettes de bébé. On n'est ni des bourrures, des gros chaises. Ni des draps propres, des armoires. Un étron ici, c'était là. Un gros. Comme un étron de chien. Il en a fallu deux pour le faire. Est-ce que quelque chose à trouver? Pour la vieille. Une vraie collectionneuse. Je le fasse pour les autres et tout. Excitant! Je peux pas croire que les roches sont rendues ici. Non! Thank you.
Oui. Moi aussi. Bla bla. Ça fait dormir. Peut-être juste psychologique. Oui. Non. Scombe. Oui. Un gros verre. Pas trop gros. On va s'asseoir une petite minute. Oui, on va s'asseoir, hein? Juste une petite minute. C'est ça. Non. Le rêve à propos de... Non. Peut-être l'autre rêve à propos de... Non. Oh. Me surprend à penser. Je pense au... Oh! Les traces! Des traces de sang! Des petites pattes coupées avec les dents! Des petites têtes écrasées! Imagine, oui! Ça marche jamais! Quoi? Les trappes! Ça marche jamais! Leur petit bedon doux, je pense à ça! Oh! Leurs petits organes délicats! Oh! Quelque chose à se mettre en bouche, peut-être. Oui! Non? Non! Quelque chose de... Non. Oh oui. Je veux dire... Le petit bout de rose. Oui. Non. Du ballonné d'abord. Rouler bien dur comme tu l'aimes. Ça goûte tout le tour. J'aime ça te les rouler. C'est ta job. Oui.
petit gars grossit pendant que tu dors. Je dormirai pas. Il grossit comme Popeye, puis il fait ta petite fille. Ma petite fille, elle vient petite, puis ses jambes, ils viennent dures. Mon petit gars fait l'affaire avec toi. Maman! Mon petit gars fait l'affaire à mon mère. Ils sont tous les deux morts. Ils peuvent pas t'entendre. Ils dorment! Mon petit gars te force à faire l'affaire avec moi. Je te mords! Tu me donnes des coups de pied! Je crie! Ça fait partie de la game! C'est mon petit gars qui me le fait faire. Je m'excuse. Ma petite fille s'excuse aussi. Henri, tous les deux. C'est correct. On est des enfants. Je peux-tu bouger? Pas vraiment.
rappelle plus. T'avais l'habitude de regarder la TV? J'adore la TV. Tu regardais tous les programmes? Je suis un expert. Pose-moi des questions. Pas de suite, cher. S'il vous plaît. Raconte-moi ce bout-là. Un soir, tu regardais la TV. Tu t'es jamais revenu. C'est incroyable. Ils m'ont laissé passer. Ils laissent passer juste les experts. C'était comme un bouclier, comme un champ magnétique. Toutes ces années-là, à juste regarder, je voulais toucher aux annonceurs. Leurs petites faces, leurs petites mains. Et des fois, je leur disais quoi dire. Tu m'as abandonné. Pas moi. Moi, ils m'ont pris. Ils m'ont kidnappé dans un sens, ils m'ont réduit au silence. Je suis innocent. Si tu continues à mentir, je vais tout simplement t'éteindre. Tu peux pas faire ça. Oh oui. Mais enfin, il y a des choses qu'un homme doit faire. Sa job. Son devoir, comme on dit. T'étais bien bon pour regarder. Des heures de temps sans cligner des yeux. Des jours de temps sans manger. Des fois, c'était dur. Mais il fallait que je sois à la hauteur. C'est une chance. Je peux pas les voir. Qui? Le monde de la TV. Je les sens autour, mais je peux pas les voir. Peut-être qu'on est trop proches pour se voir. Trop dans le même espace. Trop les uns dans les autres. Ça doit être ça. T'aimes ça, la TV? C'était toute ma vie. Puis moi, qu'est-ce que j'étais? Non. Femme. Oui, c'est ça. C'était moi le mari. C'est moi le mari. Et dans ta chaise, la lueur t'éclaire comme une statue. Un bibelot. Fiable. J'aime ça. Mon beau-père.
Tu te réveilles jamais? Hey, fais un son si tu m'entends! Ben, brouille quelque chose! Elle cligne des yeux! On respire un peu! Tu ressembles à une vieille saucisse? Toute sec? Pas dedans! Hey, c'est pas surprenant que tu manges plus! Aimerais-tu ça si il t'apportait un petit verre de quelque chose? Du lait? Le lait, ça fait pousser les dents parce que c'est blanc, blanc. Blanc, blanc? Grand-papa, il est mort. Puis grand-maman, grand-maman est aveugle. Puis malade. Elle est très vieille. Elle dit qu'il n'y a personne pour prendre du mal d'elle, puis elle se fâche. Mon âme prend soin. Elle pue. Mais ça ne fait rien. On s'habitue, puis à ce temps, je pue comme elle. Mon papa vraiment jouait avec grand-maman. Puis elle est pas heureuse. Oh, mais j'aime ça la regarder. J'aime ça la regarder quand elle sait pas que je suis là. Elle joue avec les rats. Mais tu le savais-tu? Au fond. Mais t'as dit t'as...
mauvais pour moi. Toujours le même, exactement. 1009 à chaque fois. Raconte-moi, Nick. Te le raconter à toi? Oui, à toi. Ah, je peux pas vraiment. C'est trop personnel, ouais. Il y a rien de trop personnel pour une mère. C'est des choses. Et des choses en rapport avec. C'est elle le moment. T'en as besoin. Ouais. Non, non, bien sûr que non. C'est elle. C'est elle qui a besoin de moi, je suis sa force. C'est moi qui apporte le beurre, qui arrive les enfants. Je... Ouais, en fait. Amen. Ah. Prends soin de mes enfants. T'es bien comme ton père était. Non. Crémeuse gâteau.
me voit pas parce que je bouge pas, puis il pense que je suis pas vrai. J'ai pas peur. Je pense même que j'aimerais ça la toucher. Mais je fais peur. Les vieilles personnes sont proches de l'air.
Mange pas les petites saucisses à dog, mon garçon. Mange juste les grosses. Mon petit gars, les petites, pas moi. Bien sûr. Bien sûr, je l'ai toujours su. Il m'en fait manger par ses mains. Montre-moi ton petit gars, Nolette. Ah!
Yeah!
vraiment? Vous prévoyez rien pour bientôt? Peut-être. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Ça vous ferait vraiment de quoi? Comment dire? Supertier! Oui, de te rire! Une vraie tragédie! Je veux dire, quelqu'un de mort, il est pas pour moi grand-chose, hein? Vous faites même pas ce strict plan décoratif? Il faut bien manger, pour vrai. Il faut que tout serve à quelque chose. Ça serait un héritage. Comme... Thank you.
mal. Papa, t'as-tu fait mal? Oui, il m'a fait mal. Papa, t'as-tu fait mal? Oui, il m'a fait mal. Mon fils, il me fait pitié, tiens. Assassin! J'ai des
sang. J'ai pas de poupée. J'ai pas de moment. On est des poupées. On travaille pas. On mange pas. On n'est pas des bébés. Pas exactement. On est plus plastique. Plus comme un jeu. Hey, j'ai même pas besoin de marcher. Je travaille fort pour mes enfants. Tous les jours au bureau, de 9 à 5. Je fais le marché, le manger, puis le nettoyage. Mais je suis contente de le faire! Vous aurez pas à vous enfermer pour une bébé longtemps. Je t'avais de mourir. Oh, mamie, c'est pas une obligation. On vous aime, on vous aime. Surtout la santé. T'avais des vrais amis! Je n'avais pas de besoin. Je jouais avec moi-même. Moi aussi! C'est vrai, je l'ai vu. Moi, je pensais qu'il se nettoyait. Ça, c'est l'excuse que tu donnes. C'est vrai! Ben, nettoie-moi! T'aimes ça, cliché? Grand-papa est mort, niaiseux. Moi ici, je suis mort. Arrête de niaiser. Je suis mort. Mort! Mort! Oh, ferme ta gueule! Oh, ouh! Hey, arrête ça! Les morts parlent pas! Oui, ils parlent. Non, en tout cas, ils se tiennent pas debout. Oui, il est mort. Puis c'est toi qui es Nex. Non! Arrête! Toi, tu vas broyer pour quelque chose. Ça va faire gros plein de merde. Assis-toi là, puis ferme ta gueule. Je... OK, d'abord... Faisons des funérailles! Yeah! Moi, je vais le lit! Moi, je peux broyer! Moi, je vais creuser le trou! Je suis mort! C'est moi qui l'ai! Oh, boy! Des promesses, des promesses! Je ne durerai pas encore bébé longtemps! J'aimerais mieux manger le petit! Oh, mamie, vous allez toutes nous enterrer! Oh, je pourrais te savoir ces pendants d'oreilles vertes quand elle va mourir! Oh, moi, je veux les lunettes de soleil! Je veux les mains! Donnons-nous tous la main. Oh, Poupin! Fais comme ton père te dit. Touchez-nous pas, vous autres! Touchez-nous pas! Touchez-nous pas! Ces animaux dégueulasses!
Fille, tu peux chanter la chanson. Je vais pas. Fais comme ton père te le dit, chère. Garçon ne chante jamais. Ça, c'est un fait. Pourtant, il chante si bien. C'est pas juste. Moi, je sors les vidanges. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Tu chanteras et te réjouiras comme un ange du ciel. Ça, c'est des histoires de fifi. Les anges sont pas des fifis, mon garçon. C'est... Peut-être qu'il y en a une coupe parmi les tout-petits. Mais non! La preuve! Regarde ce qui est arrivé à Sodome. Oh, ça, c'est une belle histoire! Ça peut t'arriver! Dieu les a tous tués comme des mouches. Jésus, il joue rough. C'est un peu comme un gros pop-père. Oh, Dieu, les dents, moi! C'est vrai, cher. Les dents, tout le monde? Ouais. Oh, je sais que c'est pas vraiment lui. C'est plutôt comme une petite patente que lui contrôle. Ouais, ouais. Dans mon estomac. Je sens que ça fait... Puis c'est ça qui me fait marcher, puis que je fais. Si je fais quelque chose de pas bien... Hey, ça va faire? Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas qui c'est qui fait ça, ni où c'est que j'ai pris l'idée de faire ça, ni pourquoi Dieu, il m'arrête. Ça va faire, petite affaire! Antigone, oui, petite fille! Antigone, oui, petite fille! Arrêtez ça immédiatement! On veut une belle affaire. Ton propre. Ta propre. Oh, yeah! Oh, no!
c'était tellement tranquille et si beau. Bois ton verre de lait, chérie. C'est comment? Tout le monde debout? En plein milieu de la nuit? Étrange. Le papa et la maman ont des préoccupations, des responsabilités. Mes garçons, filles, vite! Quelque chose m'a réveillée! Moi aussi, un bruit. Un rêve? Non, pas de rêve. C'est quelque chose de physique. Sans rien présentement. Non. Du moins, je pense pas. Une petite vibration. Maintenant que t'en parles. Je le savais. Un tremblement de terre. Sans rien. J'ai peur. La maison va s'écrouler. Pas cette maison-là. Je crois pas tomber. Au secours. Calme-toi. Il y a pas de danger. Je pense. Mais c'est une merde. La maison est après tomber. Il y a un tremblement de terre à cause des planètes. Il y a trop de gravité. Ridicule! Qui c'est qui t'a dit ça? Papa? Mais sans rien? Ça, c'est parce que vous êtes aveugle! Moi, je vois très bien le tremblement! Nous autres, on est supposés sortir ces affaires-là les premiers. Ça va faire trop longtemps qu'on est ici. On sera peut-être mieux sauver l'or. Bonne idée! Peut-être que ça va faire juste faire passer! Ça, là, c'est juste une petite secousse! Le vrai tremblement s'en vient! Où est mon fils? Je sens pas de tremblement. Moi non plus. Ça, c'est parce que vous êtes des enfants. Vos cerveaux sont trop petits. Je pense que je sens rien non plus. Oui. Toi, t'es pas capable de faire face à la vérité, hein? Regardez cette lumière. Qu'est-ce qu'elle a? Elle se balance. Ben non, elle se balance pas. Elle bouge pas partout. Vous êtes sûr? Oui. Oh mon Dieu, c'est moi. Quoi? Je te fais mourir. J'ai le Parkinson. Ah! Je vais m'éteindre tranquillement. Non. Je vais mourir comme un homme. Où c'est qu'est mon fusil? Oh mon Dieu, non! Ouais. Non! Tu ne peux pas faire ça! Non! 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 Non!
Encore un bout de tête. Je dois être brave. Aidez-moi à m'asseoir sur ma chaise. Tu vas jouer un record? Comme tu voudras. Oh boy, merci! C'est aussi bien de commencer de bonne heure, je vais pouvoir prendre de l'avance au bureau. Et le premier moineau qui se lève, c'est lui qui pogne le ver de terre. D'abord le paletot, c'est essentiel, ça prend un paletot, mais lequel? Celui pour le froid. Celui pour la pluie. C'est un départ. Ma tête! J'ai failli oublier le chapeau. Un pour chaque saison. Pour le look athlétique, le chapeau de ski. Pour le look alpin, j'ai mis avec la plume. Oh! Le bouclé. Pour l'homme d'affaires. Pour avoir le look de celui qui a les moyens mais qui ne veut pas l'afficher. L'élégance. Portée légèrement penchée vers la droite. Ou plutôt, en plein centre de la tête. Oui, c'est ça. Celui qui fonce. Je pars. Thank you.
imperméable et les caoutchoucs, il doit sûrement pleuvoir. Réside-t-elle dans le manger? Alimenter le corps de calories pour affronter une journée possiblement froide? Femme, un déjeuner. Quand vous êtes aveugle,
plus grand que l'intérieur de votre tête. C'est possible. Les idées se promènent pêle-mêle comme des rêves. Pas besoin de dormir. Tes yeux restent ouverts comme des fenêtres sur la nuit. Tout est possible. Y a-t-il à voir qui ne peut être acheté? Nous dormons tous, et moi je rêve. Mes rêves font du bruit partout dans la maison. Pas une seule fenêtre ouverte. Il y a une porte, mais on ne l'ouvre jamais. Pas durant notre sommeil, en tout cas. On laisse entrer les nuits, ou on laisse sortir les rêves. Tout dépend de l'endroit où vous êtes. Tout dépend de l'endroit où vous êtes. Tout dépend de l'endroit où vous êtes. Tout dépend de l'endroit où vous êtes.